ici que commence mon aventure. Hop là, gars, c'est roule ma poule. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la première vidéo du reste de ma vie. C'est la première vidéo de mon tour de France, donc tour de France caritatif pour les petits princes. Donc là, je suis avec Yannick des Huiles d'Alsace, forcément, et Raphaël d'Electron, qui est un peu plus loin. Donc je décolle pour Baume-les-Dames aujourd'hui avec une première étape à Mulhouse où je vais m'arrêter recharger chez Electron. Voilà, donc vous verrez plein de choses d'ici là et je vous dis à tout à l'heure. Alors ce que Robin dit pas, c'est qu'en fait il vient de se faire interviewer par le DNA, donc il y aura sans doute un article et ça c'est super cool. Et c'est donc le grand départ pour mon tour de France caritatif pour les petits princes. Donc ça va être 4500 km de plaisir, de galère, d'improvisation, hein, beaucoup. Que tout n'est pas vraiment prévu à l'avance. Hein ? T'entends ce qu'il dit ? J'espère donc pouvoir faire découvrir l'association des petits princes à un maximum de gens, tout en vous partageant de belles images, enfin, en espérant qu'elles soient à peu près belles et correctement montées, parce qu'en fait j'apprends le montage pendant ce tour de France. Donc Yannick, un des Huiles d'Alsace, m'a gentiment aidé, mais j'ai encore pas mal de progrès à faire. Bon, il faut savoir une chose, c'est que l'aventure de Robin s'inscrit parfaitement dans le projet associatif des Huileurs d'Alsace. Et j'espère qu'à terme, ce genre de petite aventure, on va pouvoir en faire de plus en plus, avec d'autres personnes, pas seulement nous, pas seulement Robin, mais d'autres personnes. L'idée, c'est que dès qu'un projet est vraiment porteur de sens et fait la jonction avec des œuvres caritatives et des valeurs qui nous sont chères, ben, on soutiendra les projets. Et la route continue, hein, donc on va vers Mulhouse, où je ferai ma première pause dans la boutique de Raphaël, donc Electron. On va profiter pour faire une petite recharge, manger un peu, peut-être boire quelque chose éventuellement. Qui es-tu ? Alors, je suis Raphaël, je travaille chez Electron, les spécialistes en mobilité électrique. Et pourquoi est-ce que tu soutiens le projet ? Bah, parce que je trouve le projet déjà fun et aussi d'une bonne utilité parce que ça va aider des petits-enfants à réaliser leurs rêves. Tu aurais un petit mot d'encouragement ? Bah ouais, bah bon courage, amuse-toi bien, répands le bonheur, la joie et hop la guys et roule ma poule. Mm-hmm. Écoute, moi je te souhaite un bon voyage. Fais de belles rencontres, fais un beau tour de France et hop la gueule, il se roule ma poule. Et après une bonne recharge, je pars direction Baume-les-Dames. Je vais m'arrêter en chemin à Montbéliard où je vais rencontrer un huileur qui est déjà connu par les huileurs d'Alsace. Il s'agit de Gilles Maillard qui a un petit mot à me dire. Hop la gueule, c'est roule ma poule. Après une petite recharge, je repars de Montbéliard direction Baume-les-Dames qui est ma destination finale du jour. Sur le chemin, je vais rencontrer 2-3 petites personnes que vous allez voir tout de suite. En direct de la transhumance, les vaches me regardent, mais elles n'avancent plus. Après beaucoup de péripéties et de soucis de batterie, j'ai réussi à atteindre Baume-les-Dames et son camping. Ça a été compliqué, mais ça s'est bien passé. Le soleil est déjà couché, et moi je vais bientôt faire de même.